Hier, le 11 septembre, au Chili, l'ambiance était plutôt à la révolte. Pendant le défilé organisé en commémoration du coup d'État militaire qui a mis fin au règne du président Salvador Allende, des manifestants se sont rassemblés et ont exprimé leur colère. De violents affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Mardi 11 septembre, lors d'un défilé en commémoration du coup d'État militaire qui a mis fin au règne du président Salvador Allende, les manifestants ont bloqué la circulation et brûlé des caméras de sécurité suite à de violents affrontements. Des jeunes ont bloqué des routes, jeté des pierres et mis le feu à des tas d'ordures. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour désamorcer la situation. Son élection a rendu furieux le président américain Richard Nixon. À cette période, ses décisions économiques ont rencontré l'opposition violente des entreprises chiliennes. Les capitaux étrangers diminuaient et l'inflation a grimpé de 300%. En septembre 1973, l'armée, affirmant avoir le soutien populaire, a lancé une attaque aérienne sur le palais présidentiel Moneda où se trouvait Salvador Allende. Son corps a été retrouvé dans les ruines enfumées. L'écrivain Isabel Allende, la fille de Salvador Allende, était présente lors de ces commémorations. Les Chiliens commémorent le coup d'État chaque année. Cela a été douloureux de se rappeler l'attentat, mais cela nous a également remplis de fierté. Même dans la douleur, nous nous souvenons du geste héroïque de notre compañero président Allende. D'autres se sont souvenus de ceux qui ont été torturés ou perdu la vie lors du coup d'État, en organisant des veillées aux chandelles au palais présidentiel La Moneda, où le président Allende a perdu la vie. Salvador Allende, qui avait 65 ans à sa mort, est vénéré par la gauche chilienne comme le champion des opprimés. Son portrait se dresse sur des affiches dans les marchés. Salvador Allende avait remporté les élections présidentielles en 1970 et a lancé un programme radical avec la nationalisation de l'industrie du cuivre, des banques privées et en remettant les terres aux paysans.